Un match amical entre deux sélections qui proposent souvent du grand foot. Ah, vu le pédigré des joueurs présents, ça peut être que sympa. Hein. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre la France face à la Belgique. Ouais, c'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Et l'occasion pour certains joueurs de marquer des points dans l'esprit du sélectionneur, bien sûr. Il y a des titulaires indiscutables à certains postes, mais à d'autres, bah, il vaut mieux répondre présent le jour J, bah, sinon il y a du monde derrière. Quelques secondes du coup d'envoi. Je vous laisse découvrir les 11 joueurs alignés par Didier Deschamps au coup d'envoi de ce match. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. Le Parc des Princes, on s'en souvient bien sûr, qui était le stade de l'équipe de France, le stade des finales de Coupe Nationale, avant de devenir le stade d'un seul club. Ouais, d'un seul club, oui. Maintenant, les grandes équipes d'Europe viennent souvent, ça fait des occasions pour vibrer. Il a été mis d'ailleurs aux couleurs du PSG, intégralement, avec les logos sur les sièges. Vous découvrez comme nous le 11 retenu par le sélectionneur des Diables Rouges pour débuter ce match. Alors, on va découvrir l'organisation tactique de cette équipe. L'entraîneur a retenu un 3-4-3 pour ce match. Un gros match en perspective pour les milieux excentrés qui vont avoir beaucoup de boulot. L'arbitre qui siffle le coup d'envoi, ce sont les Français qui engagent. Kevin De Bruyne, Witzel. La passe est interceptée. Ouais, bien, ils ont bien pressé, ils sont allés le chercher, ce ballon. Allez, les Français, il faut se créer une occasion. Giroud qui est signalé hors jeu. Ouais, les bleus, cette touche. N'Golo Kanté. Antoine Griezmann. Ouais, bien pris la défense. Oh, attention, s'il perd ce ballon. Blaise Matuidi. Et le pressing adverse qui contraint le joueur à concéder la touche. Blaise Matuidi. Le centre était bon, mais le danger est écarté. Et comme toujours, avec coup franc donc. Pogba. Ce ballon de Pogba qui ne trouve qu'un joueur adverse sur son chemin. Pogba. Matuidi. Il vient buter sur la défense. Ça va être compliqué. En mise en jeu pour la Belgique. Thomas Meunier. Mertens. Kevin De Bruyne. Thomas Meunier.
On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Ouais, joli tacle. Le ballon dans l'axe, attention. Oh, le but! Le premier but dans ce match! Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri, ma bonne dame. Ah, c'est net, Pierre. On le revoit. Ils font la différence sur une passe. Hein. Une passe millimétrée. Le buteur est dans des conditions parfaites. Il n'y a plus qu'à battre le gardien. Le but sous un autre angle. Les Bleus qui font la course en tête dans cette partie. De Bruyne. La récupération de Paul Pogba. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire. Oh, la bonne occasion pour Olivier Giroud. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Blaise Matuidi. Le ballon qui file en touche, ce sera pour les Belges. Thomas Meunier. Attention, ça monte très fort sur Alderweireld qui est dans une situation délicate. Mertens. Olivier Giroud. Interception de Compagnie. Mal assuré, ça file en touche. Mertens. Oh non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Antoine Griezmann. Blaise Matuidi. Allez, il y a du monde autour de lui, il y a peut-être un coup à jouer. Jan Vertonghen. Olivier Giroud. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. L'équipe de France qui obtient un corner. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Ouais, directement dans les mains du gardien. Olivier Giroud. Blaise Matuidi. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Le ballon qui a filé en sortie de but. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Le ballon est sorti pour les Belges, en touche. Mertens. Samuel Umtiti. Paul Pogba. Paul Pogba, le bon ballon en profondeur. Le gardien qui repousse, attention!
Matuidi. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Et compagnie. Oh, attention, Giroud. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. Bon, c'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risques. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Griezmann, le tir. Pereira Carrasco. Équipe de France qui va effectuer la remise en jeu. On s'approche des buts. Paul Pogba. Très mal donné, hein, ce ballon. Le quatrième arbitre qui donne... Il y va tout seul, énorme occasion. Olivier Giroud. Voilà, parade exceptionnelle du gardien sur cette tentative à bout portant. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, peut-être pour les supporters adverses, du coup. Eden Hazard. Ah, je la croyais au fond, là, mais super arrêt du gardien. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Et à la mi-temps qui est sifflé à l'instant. Un tout petit but d'écart au tableau d'affichage. Un seul but, en effet. Le match est serré. Tout est encore possible. Pierre, vous l'avez trouvé comment, Antoine Griezmann, dans ses 45 premières minutes? C'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. L'arbitre qui siffle le coup d'envoi, ce sont les Français qui engagent. Le ballon dans l'axe, attention. Oh, le but! Le premier but dans ce match! Ah, ça c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux ce serait dans... Et compagnie. Oh, attention, Giroud. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. Bon, c'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risques. L'arbitre qui peut donner le coup d'envoi de cette seconde période ici au Parc des Princes. Lukaku. Sans danger pour le gardien. Le joueur belge qui progresse. Attention. Eden Hazard. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. La bonne anticipation de Courtois. Corner au bénéfice de l'équipe de France. Supporter qui aimerait bien que cette domination se traduise par un but. Attention à ce corner. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Le gardien qui préfère boxer ce corner. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Ah, ça ne passe pas.
Ouais, les joueurs qui obtiennent ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le ballon avec un bon pressing. L'équipe de France qui part à l'attaque. Ah, il est un petit peu court hein, sur ce ballon. Oui, parce qu'il ne peut pas la rabattre, c'est toujours pareil. De Bruyne, Benjamin Pavard, Mbappé, entrée dans l'axe, c'est dangereux. Oh, le but, le gardien qui est battu. Ballon qui rentre, le gardien l'avait touché pourtant. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. ...2-0, ils ont à présent une avance confortable. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Griezmann. Oh, il va être dur à rattraper, là, attention! Olivier Giroud. Il était tout seul et il a manqué le dernier geste. Peut-être un manque de lucidité sur cette action. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Le défenseur qui sauve son équipe, oh, incroyable. Samuel Umtiti qui vient donner de l'air à ses coéquipiers en dégageant. Et il donne un ballon piqué. Allez, il peut y aller, Matuidi. Allez, il faut centrer. Et c'est un corner pour la France. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Ouais, il a le temps de centrer. Le ballon qui est récupéré par la défense, qui ne sait pas trop qu'en faire. Ouais, il y avait une faute, mais l'arbitre a laissé l'avantage à la Belgique. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Pereira Carrasco. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Ah, et c'est Olivier Giroud qui est là et qui intercepte. Griezmann. Giroud qui est signalé hors jeu. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Olivier Giroud. Il va pouvoir centrer. Ça reste dangereux, mais il y a quand même du monde. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ah non, il a mal contrôlé ce ballon. Nous n'irons pas plus loin sur cette action. Alderweireld. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Oh, le bon ballon pour Griezmann. Et droit dans les bras du gardien. Facile. Non, ça n'ira pas plus loin.
La frappe. Oh, elle passe tout près du cadre, cette reprise. C'était pourtant très bien exécuté, avec un peu de réussite, c'était au fond. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Bonne récupération au milieu de terrain. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Allez, le ballon en retrait. Ah, facile la récupération. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Witzel. Ah, la bonne qualité de ses passes. Allez, dans le couloir. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Donc ce sera un corner pour les Français. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Raphaël Varane. Voilà, c'est fait. La fin du match et la belle victoire pour l'équipe de France. L'entraîneur qui peut être satisfait de cette victoire en match amical. International français, Olivier Giroud qui était aligné à la pointe de l'attaque pour ce match. J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match. Il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but. C'est toujours bon pour la confiance. Quant à Kevin De Bruyne, il a été quasiment inexistant sur ce match. Il n'a pas marqué et plus inquiétant, il ne s'est pas créé à moindre occasion. L'arbitre qui siffle le coup d'envoi, ce sont les Français qui engagent. Ballon dans l'axe, attention. Oh, le but! Le premier but dans ce match! Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait dans... Les compagnies. Oh, attention, Giroud. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. Bon, c'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risques. Lukaku, sans danger hein, pour le gardien. Ah, les joueurs qui obtiennent ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le ballon, avec un... l'équipe de France qui part à l'attaque. Ah, il est un petit peu court hein, sur ce ballon. Oui, parce qu'il ne peut pas la rabattre, c'est toujours pareil. Entrée dans l'axe est dangereux. Oh, le but! Le gardien qui est battu! La frappe! Oh, elle passe tout près du cadre, cette reprise! C'était pourtant très bien exécuté, avec un peu de réussite, c'était au fond.